Ma petite Marie-Louise, vous serez assez gentille d'aller faire un petit coup de propre à la machine à café, parce qu'il y a des petits salissons qui ont encore tout dégueulassé. Ah ! Foutre bleu ! Une culotte ! Oh ! Mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? Il y en a qui se sont fait décharger la canonnière dans la machine à café ! Oh, justement, j'ai cherché ! Ah oui, c'est vrai, c'est le genre de petites choses comme ça qu'on égare parfois, un petit coup de vent, la tête en l'air et hop là. Oh, ça va Marie-Louise, dis, on a tous le droit à un petit moment d'égarement. Mais dis, tu as trouvé des traces. Hein? Des quoi? Non, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'inspecter l'objet. Hein. Mais tu sais, des traces, enfin, des sortes de preuves, quoi. Tu veux dire autre chose que ta petite culotte, genre des traces d'ADN? Marie-Louise, arrête, allez. Alors, mon petit, je vous attends pour les visites, moi. Oui, oui, tout de suite, je vais venir, docteur, là. Ouais, et je compte sur ta discrétion, là. Oui, bah, tes histoires de popotin, je m'en bats un peu la perfusion. Hey, dites-moi, mon petit, on a déjà dû vous dire que vous étiez un joli petit lot, vous, hein? La dernière fois qu'on m'a appelé comme ça, j'avais 7 ans et j'avais gagné à la pêche au canard. Alors remballez vos approches ringardes de vieux beau là. Et allez faire votre boulot. Et attention à mon mouillé. Quelle femme, enfin, quel caractère, mais quelle femme. Bon alors, qu'avons-nous? Alors monsieur est ici pour un accident du travail, c'est celui qui dormait tout à l'heure. Ah oui, arrivé pendant la nuit, donc. Bonjour, monsieur. Dites-moi tout. Ben, hier, en travail, je me suis blessé au poignet. Et vous êtes venu aux urgences qu'hier soir? Ben oui, parce que dans la journée, moi, je travaille. Bah. Ah oui, c'est pour ça que l'on nomme ce qui vous arrive un accident du travail. Absolument. Enfin bref, montrez-moi ça. Vous avez mal? Non. Vous sentez quelque chose? Bah non. Vous arrivez à bouger toute la main? Bah oui. Bah donc vous n'avez rien? Bah je sais pas, peut-être. Vous voulez que je fasse quoi au juste? Bah je sais pas, c'est pas moi le médecin, c'est vous. Bon, je vous informe que cet hôpital comprend un excellent service psychiatrique. Au suivant. Bonjour madame. Bonjour. Et vous, que vous arrive-t-il? Eh ben, un peu comme le monsieur là à côté. C'est-à-dire, vous souffrez vous aussi de mythomanie compulsive? Ben, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai un peu mal à la main et puis un peu partout aussi. Un peu partout? Eh ben, précisez, parce que pour un diagnostic, c'est un petit peu vague. Eh ben, quand j'appuie là sur ma jambe, là, quoi, eh ben, ça fait mal. Hein. Et puis quand j'appuie aussi là sur mon ventre, là, et ça fait mal aussi. Hein. Et quand j'appuie sur la tête, là aussi, là, comme ça, là, ça fait mal. Oui, ça va, là, j'ai compris l'idée. Oui, madame, c'est très clair. Ah bon? Bah, vous avez le doigt cassé. Oh,